Bonjour les copains, je m'appelle Julien, bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne de sport extrême, de rallye automobile, d'immersion avec l'armée. Je suis avec mon équipe. On a Arthur à la photo, on a Vlad au drone et derrière la caméra, MD. On va retrouver Maxime Langlais. Le matin, je l'aime. En fin de journée, j'ai envie de le piquer, de le calmer, de l'éteindre. Mais il dit la même chose de moi, donc ça devrait faire une vidéo assez dynamique. J'ai hâte de le voir. Ça fait 2 ans et demi qu'on s'entend bien, qu'on est potes, qu'on échange. On a déjà eu la chance de faire du circuit avec ses cheveux tout partout. Qui sortait de son casque avec Supra Toyota l'année dernière, et 2 ans avant on a eu la chance de faire le rallye de Paris en Jaguar SVR, et là on va faire le unboxing, on va faire la découverte de sa nouvelle voiture, une supercar, le rêve de sa vie qu'il a mis des années, et on a la chance, on a même été choisi pour partager ce moment là avec vous. Comme on va découvrir sa supercar, on devait prendre une voiture un peu costaud, donc j'ai pris la Porsche Panamera 4S E hybride et ses 560 chevaux pour emmener toute la compagnie et le matos direction la Bretagne. 350 km d'autoroute. C'est parti, direction Rennes. Ça, Julien. Là, Julien. Regarde, c'est la bâche là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui dépasse? On cherche à deviner ce que c'est la nouvelle voiture de Maxime. Des petites suggestions? V12, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, suffisamment pour qu'on se trompe. Ça va les artistes? Ça va les solides? Ça y est, on a retrouvé Maxime, on y est. On y est, on y est. La veille de tes 30 ans ou tu les as eus là? Je les ai pas encore, je vais les avoir, c'est ce mois-ci. Montre-moi ta main là. Ouais, ça va, fais semblant. Allez, raconte-nous pourquoi on est là. Eh ben écoute, on est là, c'est un grand jour aujourd'hui. Je vais réaliser mon rêve de gosse. Ce qui se passe là, je le réalise pas. Pour tout te dire, tu sais, il y a des rêves, tu te dis je vais le faire, mais tu penses pas que ça va marcher. Ouais, ouais. Et ça peut marcher, elle est là. Elle est derrière. Elle est derrière, on est chez Maserati Rennes. Je tiens à remercier particulièrement Charles. Qui nous accueille. Qui nous accueille et toute l'équipe de Maserati Rennes, puisque si je l'avais acheté neuve la voiture, je l'aurais configurée comme ça. Ouais. On va essayer de vous faire deviner un petit peu. 6 litres 5, V12. Ok. Atmo, hein, par pas de turbo. Il n'y a pas beaucoup de marques du coup. Qui font des V12. Il est à l'arrière. Donc, il est à l'arrière. On pense à plusieurs marques italiennes. On a, bah t'as vu un peu le... Voilà. Non mais on devine avec l'avant. Désolé. Là on a presque deviné. Hein. Yeah. On pas, nous montre pas là, on devine. 2,03 m de large, 1,13 m de haut. Tu passes sous les barrières? Si tu passes. On va faire le test. On va faire le test au péage. Qu'est-ce qu'on peut dire pour essayer de faire deviner? Boîte simple embrayage. Ok. Ça se fait rare. C'est rare. Ça se fait rare, boîte simple embrayage. Roue arrière directrice. Ouais, ok, c'est un indice ça. On est pas mal. On est pas mal. Puissance fiscale. Voilà, ça c'est au fisc. 50. 74. 74 x 46 euros. 740 chevaux. 740. Est-ce que t'as deviné, Johnny? 740, il y en a plusieurs à 740. Il y en a plusieurs. Genre, je pense à deux. Ouais. Que t'as mis en story il y a 2 mois. On se rapproche. Ouais. Peut-être. Une que t'aimes bien. Ouais, une que j'aime beaucoup. Mais le moteur est peut-être pas là. Non. C'est maintenant, c'est le moment que t'as attendu depuis des années. Je suis pas prêt, je suis... Là, on revient dans un quart d'heure, on fait une pause. Les copains, on l'aide. Allez, les gars. On se place. On se prépare à lui débâcher ce... Avant toute chose, et... C'est ce rêve. Ouais, c'est... Putain, je fais une vidéo. Tout est possible. Oh.
Ah bah t'as intérêt à avoir des dolly, prends-toi l'artiste hein. T'as laissé tomber. Regarde cette dolly. Ça y est. Je suis trop content pour toi. C'est que je suis fier alors c'est pas moi qui l'ai, tu vois. Putain, je suis pas bien là, je te jure que je suis pas bien, j'ai une sensation chelou là. Ralenti, ralenti, parce que après tu vas prendre ça comme classique. Mais là c'est la première fois que tu montes dedans. C'est abusé. Et tu sais, je l'ai. Ça fait longtemps, pour rien te cacher, ouais. Ça fait longtemps que j'en cherche une. Et quand Charles m'a proposé celle-ci, on était. Et là, la voir en vrai, parce que tu vois les photos, et c'est jamais pareil. Non, non, non. T'as vu cet Alcantara, le carbone partout. T'as même la plage arrière, ça c'est l'option lunette. Plage arrière en Alcantara. Lunettes carbone, ouais, dessus de compteur carbone. Putain, c'est une folie. Ah ouais, bravo. Oh putain de merde. Je la démarre. Ouais. Elle a 2471 km. Elle est neuve. Elle est neuve, mec. Ah, c'est vraiment peu. Allez, c'est parti! Bravo, ouais, sublime. Ah, c'est dingue. Tu l'as fait chanter, vas-y. On est à 1002! Allez! Attends, on la laisse chauffer un peu, on la laisse chauffer. Je pense à deux films tout de suite quand je vois une Aventador. Tu t'es payé une Aventador? Ouais. Il y a Batman. Bruce Wayne, il a une Aventador. My wife. Noir mat. Et il y a aussi dans Transformers 4. Le méchant, 4. C'est une Aventador. Et là, elle est là. Mais là, elle est sous ma main gauche. Avec du carbone. T'as l'air choqué? Ouais, je suis pas bien, c'est incroyable. C'est choix. Y a pas de... Non mais incroyable, mais vraiment, non mais c'est fabuleux. Et puis en cette config là, sincèrement, y'a rien à dire. Elle est belle, hein? Ah non mais là, voilà, c'est bon. Il a plié le game, je crois. On a trouvé une perle rare là. En ouais. Combien de temps il s'est... En combien de temps il a dit oui? Oh, il s'est décidé assez rapidement, mais en fait... c'est surtout le choisir parmi les différentes possibilités de couleurs et je pense qu'aujourd'hui on a pris celle qui était vraiment unique et effectivement c'est une voiture qui là pour le coup est vraiment classe quoi. Elle est chic comme elle est comme ça et ça la rend vraiment unique parce que c'est vrai que la plupart du temps sur Lamborghini on est sur des voitures qui vont être jaune, orange, rouge qui est sympa hein. Mais là ça change totalement je trouve dans le style. Ah, je suis très jaloux, mais positivement, ça me donne envie de me battre pour avoir ce genre de voiture. Mais à vous, c'est toi qui l'as commandé. elle est sublime. Puis vert, ça la rend tellement chic. Une voiture qui est plutôt un peu voyante, là, ça la rend mais élégante. Moi, j'adore les détails. Regardez bien le détail. Tu sais, je t'ai dit l'intérieur. Tu me l'as dit à moi, ouais. Rosso à l'ala. Et regarde, tu vois là? Suspension de la même couleur, c'est une option ça mon Johnny. C'est dingue ou pas? Le gros V12, l'atmosphérique, il a pas de turbo celui-là, il a pas d'électricité, il a rien. Et toute la cage elle est en carbone. Là t'as 11 000 euros de carbone. C'est une option de ouf ça. Ouais, 11 000 balles de carbone. Ça fait résonner la voiture. C'est ouf. Rien que la barre, si je dis pas de bêtises, c'est 4006. Juste la barre de renfort en carbone. C'est magnifique. Ouais. Oh. C'est de l'art. Et là, ordre d'allumage des cylindres. Ah non, j'ai jamais su. Tu savais pas? Non. Chez Lambeau, toutes les Lambeaux ont ça en fait. Tu vois là, à chaque fois, t'as ton ordre d'allumage des cylindres systématique. Thank you.
est dingue, ça, là. On est dingue comme jamais. Ah ouais. Incroyable. Putain, je suis impressionné par le cabaret de la caisse. C'est un délire. C'est hallucinant. Dans la voiture là. Quel bolide. Moi je fais ça que pour lui voler. Hein. Même le bouchon il est magnifique. Évidemment tu mets de l'éthanol. On met de l'éthanol toujours. I'm taking my toothbrush. How does that feel? Tell me how this can't be real. You're talking in riddles. Just let it go. And trust me if you love me so. It just isn't worth my time to try to make you believe. Là, on est en train de suivre Maxime qui fait droite, gauche, qui déboîte, qui double. Et ce que tu vois, cette pub Lamborghini, où la voiture est orange, elle est dans le désert sur une route, et la route, elle craque, et elle fait des fossés, et il doit slalomer entre les craquures. Est-ce que tu vois ? Très bien, ouais. Très bien, je vous le mets en image. J'ai même pas les mots. Franchement, c'est au-dessus de ce que j'imaginais. J'ai eu la chance de conduire pas mal de caisses, mais là c'est un autre step. C'est vraiment un autre step. Aventador, c'est vraiment un autre step. Tu vas laisser ton bolide à Julien ? Est-ce que c'est une bonne idée à votre avis ? Je suis pas sûr. Je vais juger. Sûr, mais... Ça va? Allez, en voiture! Viens, on pleure tous les deux. C'était abusé ou pas? C'était génial, je vibre encore. C'est un truc de malade, hein. Ouais, c'est un truc de malade, c'est magnifique. C'est vraiment un truc de fou. Bon, Lilia de chez Lamborghini en Italie. Tu m'en envoies une ou deux, on a deux trois trucs à faire là, c'est extraordinaire. Wouh. Ah.
Bravo. Bon, tu leur files quand tu veux. Tu m'as fait peur, d'enfoiré. Tu leur files quand tu veux, c'est ça? Jamais. Jamais. Et première, dernière. Ah, ça me va. Ah, putain. Ah, c'est de la folie. C'est de la folie. Merci les ingénieurs Lambeau, hein. Merci, c'est magnifique. Putain, de sortir des bolides pareils. C'est magnifique. C'est une dinguerie, c'est une boucherie. La team de Gogette, c'est les meilleurs. Gogette, c'est le meilleur. Et on s'est régalé, on a passé une journée de folie. Je suis vraiment passé pas loin. Un petit mot à dire sur Julien, une qualité. Qualité sur Julien. Qualité sur Julien, enthousiasme. Est-ce qu'il est aussi énervé que toi, Maxime? Ouais, j'ai envie de le piquer. Je crois que nos deux énergies, c'est des aimants plus, ça fonctionne pas. Mais épuisé, faut le piquer, y a pas d'autre solution.